Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous regardez, mais bienvenue dans ce 21e épisode de SEO on the Go Switzerland. Aujourd'hui, on répond à la question... Quel moment est le plus judicieux pour changer sa stratégie marketing ? Alors moi, Gabor, j'ai un commerce en ligne et je me pose des questions sur ma stratégie marketing, donc comment savoir s'il est temps de la changer ? Un bon point de départ est d'analyser la performance de tes campagnes marketing. Comment performent tes campagnes marketing, Fanny ? Alors ça, c'est une bonne question. Ça fait un moment que je ne me suis pas penchée là-dessus. Tu devrais. En effet, l'analyse de tes campagnes, notamment en termes de conversion, est le meilleur moyen de t'assurer du succès de tes campagnes marketing. Il faut que tu te poses la question, j'ai payé pour cela, est-ce que les résultats sont satisfaisants ? Et tu ne peux pas le faire si tu n'as pas un suivi. Je comprends. Pas résultat, tu entends mes ventes ? En effet, est-ce que tes campagnes génèrent des ventes ? Sont-elles rentables ? Ont-elles du potentiel d'amélioration ? Peu importe que tes objectifs soient des appels téléphoniques, des formulaires remplis sur ton site web, ou même des ventes sur ton site d'e-commerce, ou peut-être des inscriptions pour un webinaire, il faut les traquer, il faut les suivre. Tes ventes seront seulement le résultat d'une stratégie de marketing supportée par différents types d'actions. Je comprends. Et est-ce que tu as des conseils à me donner pour suivre les résultats de mes campagnes ? Je te conseille de contrôler surtout les coûts marketing, en termes d'argent, mais aussi en termes de temps. Parce que tu peux économiser de l'argent, mais tu peux passer beaucoup de temps. Par exemple, nous, on prend beaucoup de temps pour faire ces vidéos. Demande-toi aussi si tu as bien défini tes objectifs et créé une structure pour supporter efficacement tous tes indicateurs. La meilleure façon de synthétiser ces informations, c'est de créer un dashboard, un tableau de bord. D'accord, donc si j'ai bien compris, je vais me créer une formule du type avec tel média, je dois voir tel but arriver dans telle période de temps, puis comparer ensuite avec mes rapports, c'est juste ? Exactement, ainsi tu comprendras bien plus facilement comment tu as atteint tes objectifs et par quels moyens. L'aspect stratégique est d'analyser ces résultats pour savoir si tes actions sont rentables et sont meilleures que ceux de tes concurrents, en fait si tu arrives à gagner des parts de marché. Ok, ben merci beaucoup. Maintenant je sais comment décider s'il est temps de changer mon marketing. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, likez cette vidéo, partagez-la aux personnes qui pourraient être intéressées et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et pour ceux qui habitent en Suisse, si vous nous laissez un commentaire, on sera un plaisir de vous envoyer notre livre qui vous donnera encore plus d'informations à ce sujet. Merci beaucoup et au revoir, à bientôt.